de Melika, arrosée au sirop à l'eau de rose. C'est la pâtisserie orientale que je vous propose de préparer dans cette émission. Donc, je vais avoir besoin de deux sortes d'ingrédients. Les ingrédients pour faire la pâte et les ingrédients pour préparer un sirop de consistance moyenne parfumé à l'eau de rose. Nous allons commencer par la préparation de la pâte et nous allons voir également la liste des ingrédients dont nous allons avoir besoin. Donc, je vais commencer par travailler le sucre glace avec le beurre pour obtenir une crème. Je vais rajouter les œufs, le lait et je vais incorporer les éléments secs à la première préparation. Et par la suite, on va passer à la préparation du sirop. J'ai travaillé la pâte et j'ai badigeonné le moule avec du beurre. Je l'ai saupoudré de semoule fine. Et là, je vais étaler la pâte dans le moule. J'ai disposé la pâte dans le moule, j'ai égalisé la surface et j'ai garni le dessus avec des amandes mondées et coupées en deux dans le sens de la longueur. J'ai garni également avec des noisettes et des cerises confites colorées, c'est-à-dire j'ai du rouge et j'ai du vert. Franchement, pour la garniture ou la décoration, vous pouvez juste utiliser ce que vous avez sous la main à la maison, soit des amandes ou des fruits confits. Je vais placer le moule dans le four, préchauffé à 180 degrés, je vais le laisser cuire jusqu'à ce que le gâteau prenne une belle couleur dorée. Entre-temps, je vais préparer le sirop de sucre parfumé à l'eau de rose. Une fois le gâteau cuit, je vais le sortir du four et je vais l'arroser avec le sirop chaud. Le gâteau est chaud et je l'arroserai avec le sirop chaud. J'ai placé le gâteau au four, maintenant on va passer à la préparation du sirop. Donc un sirop de densité moyenne, c'est-à-dire qu'on va placer 1 litre d'eau dans une casserole avec 1,5 kg de sucre semoule, le jus d'un citron et à la fin de la cuisson du sirop, une fois qu'on a obtenu un sirop de densité moyenne, je le parfumerai avec un petit peu d'eau de rose. C'est très simple, tout le monde sait faire un sirop de sucre. Donc là, le sirop est prêt. Je vais juste lui incorporer de l'eau de rose pour le parfumer. Une fois le gâteau cuit et bien doré, je l'ai sorti du four et je l'ai arrosé de sucre chaud. Je le laisse imbiber avant de le servir, bien évidemment. Il faut qu'il soit frais. Il est meilleur, bien sûr, quand il est frais. Je suis arrivée au terme de l'émission. Je vous souhaite un excellent appétit et on se retrouve dans un nouvel épisode avec de nouvelles recettes. Au revoir.